Introduction. Vous êtes prêts? Bon, ça me touche beaucoup que vous soyez restés jusque-là, vraiment. Merci. Je voudrais juste faire une petite dédicace à Mathilde Villeneuve et, toute l'équipe de la terrasse de m'avoir invitée et de m'avoir accueillie ici. Ok. Alors, depuis 2 ans, je marche dans le travail d'un chorégraphe français qui s'appelle Alain Buffard et qui est décédé en 2013 et que je n'ai pas connu. Au départ, c'était un peu par curiosité. Et puis ensuite, il y a eu une sorte d'intuition qu'il y avait là une enquête à mener, un voyage à y faire. Et c'est ce voyage que je vais vous raconter et que j'ai appelé « As Buffard as Possible ». Donc ce voyage, il prend son origine dans 2 œuvres d'Alain Buffard qui sont devenues pour moi des nourritures que j'ai mangées et qui ne s'épuisent jamais. Donc c'est formidable parce que dès que j'ai faim, je peux toujours y revenir. La première nourriture, c'est un film qui s'appelle My Lunch with Anna, qu'il a réalisé en 2005 et qui est composé d'une série de déjeuners avec une chorégraphe américaine qui s'appelle Anna Halprin. Et en fait, cette femme, elle a joué un rôle assez déterminant dans le parcours de Buffard, puisque quand il la rencontre, à la fin des années 90, il est en pleine dépression, il a arrêté de danser, et finalement, à ses côtés, il va retrouver un désir de danse. Donc le film revient sur leur rencontre, et met surtout en avant la démarche chorégraphique d'Anna Halprin. Et moi, le moment que je préfère dans ce film, c'est quand il mange au ralenti une tomate en se regardant dans le fond des yeux. Voilà, ça c'est eux. Et à partir de ce film, moi j'ai proposé à mes grands-parents, qui s'appellent Alain et Niquette Castellani, de rejouer quelques scènes. Mais ce soir, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer le remake qu'on a fait ensemble. Alors ensuite, la deuxième œuvre que j'ai mangée d'Alain Buffard et que j'associe à ce film, c'est Dispositif 3.1, une pièce de 2001 qui met en scène Alain Buffard lui-même, accompagné des danseuses Claudia Triozzi et Anne Laurent et de la critique de danse et théoricienne Laurence Loup. Et en fait, la présence d'Anna Halprin, elle flotte étrangement dans cette pièce, et notamment par une critique du dressage des corps, puisque le dressage des corps, c'est vraiment au cœur de Dispositif 3.1, à travers différentes séquences d'apprentissage et d'imitation, qui donnent à chaque fois à voir ce qui échappe à l'injonction. Donc sur le plateau, les 4 interprètes sont tous habillés pareil. Ils portent une perruque blond platine qu'ils ont mis à l'envers et qui recouvre le visage, en clin d'œil à Heidi. Heidi, vous savez, c'est ce conte pour enfants qui raconte les aventures d'une petite fille qui vit des aventures dans la montagne. Sauf que Alain Buffard, lui, il ne s'est pas inspiré directement de ce conte pour enfants, il s'est inspiré d'un film réalisé par des artistes dans les années 90 qui ont fait une version trash d'Heidi. Et donc Buffard, lui, à son tour, il propose une Heidi qui est trouble, qui est coincé entre apprentissage et piratage. Donc je vous montre un petit extrait. Rock.
who have suffered understand suffering and thereby extend their hand. The storm that brings harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Sur une chanson de Patti Smith qui s'appelle Rock'n'Roll Nigga, qui date des années 70. Et en fait, Alain Buffard disait que le costume était très important dans cette pièce, donc ce tablier blanc qui laissait voir le dos, qui serait un peu la partie inconsciente du corps. Et moi, quand je vois cette pièce, je me demande qu'est-ce que ce serait de laisser son inconscient de spectatrice parler. Donc en fait, pour cette pièce, Buffard, il avait établi une constellation de références plutôt affiliée à une culture underground américaine des années 60-70, et surtout des références gays, mais pas seulement. Et je me suis, j'ai passé du temps en fait à les brancher à d'autres références issues de cette époque-là que je connaissais déjà ou que j'ai croisées sur mon chemin. En décembre 2016, dans un appartement berlinois, je découvre par hasard un CD des Flying Lesbians. Les Flying Lesbians, c'est le premier groupe de rock fondé par des lesbiennes en Europe. Elles viennent d'Allemagne de l'Ouest et ont enregistré un album en 1975, et ça sera le seul. Leur musique me plaît beaucoup, entre chansons d'amour et chansons engagées. Après quelques recherches sur Internet, je trouve un contact et assez spontanément, je leur propose de venir interpréter quelques chansons pour une performance que je vais faire qui s'appelle La langue brisée 3 et qui va s'appuyer sur ma réception du travail d'Alain Buffard. Il y en a deux qui me répondent, Monica et Silly, et qui m'expliquent que le groupe ne joue plus et que deux d'entre elles sont malheureusement mortes. Depuis Cologne, je prends d'autres trains pour me rendre à Nettersheim, là où vit Monica. Elle vient me chercher à la gare. Le temps est automnal. Elle m'accueille chaleureusement et j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Elle me dit avec malice que nous sommes dans la capitale des lesbiennes, qu'il y a eu ici une vague de femmes qui sont venues s'installer en couple ou en communauté dans cette campagne verdoyante. Ici se trouvent des hôtels à l'effigie de Matrone, les déesses de la fertilité qui datent du 1er siècle. L'ambiance est mystique. La chienne de Monica nous attend dans la vaste salle à manger cuisine, le frisbee dans la gueule. La maison de Monica est attenante à d'autres maisons, celle de sa compagne Claudia
et celle de deux amis. Monica a acheté des gâteaux à la crème. Une partie de son histoire commence. Je filme et j'enregistre. Elle revient sur son arrivée à Berlin-Ouest quand elle avait 22 ans, en tant que journaliste et chanteuse dans divers groupes. Jusqu'au jour où elle rencontra Cilly et les autres jeunes femmes. Yes, I'm Monika Mengel. I'm one of the singers of the Flying Lesbians. I have been one of the singers of the Flying Lesbians. It was in the second year of my being lesbian. And I was a singer before. When I became a lesbian, I went into a center which in Berlin, which is called the LAZ, Lesbian Action Center. And then we talked and who does music, who wants to play something, and why shouldn't we do a band? And so we met Cilly and Monika Jäckel, Monika Xavier, Christel Wachowski, and Gigi Lange. And Danielle Debat, she came a little later. And we started training in a cellar somewhere in Paul-Linke-Ufer in Berlin. And we thought of what kind of music could we play and what kind of style would we like to do. And then this was the 73 in the autumn or in winter. Then someone else started to having an idea, making the first big woman's festival party, eine Frauenfete, we called that. And we were organizing that, and some other organized that too. And we asked for a woman band from England, and they said, yes, we come. And then 3 weeks or 4 weeks before the party, they said, well, we are sorry, we can't come. So then we said, okay, we have three songs and we can start making music and make the three songs. And we thought, well, maybe there come two women, or they're coming 300, maybe 400. And in the evening, I think there were more than 2,000 women coming. And they didn't come at first when it began. They came during the whole evening. First they come 300, then 50 went home and called their friends. you should come to that party. Here's a lot of noise and a lot of women. So it became more and more women. And it was really nice. I think you saw some pictures. They were sitting and dancing and hugging each other and dancing rock and roll and dancing tango. They danced everything to our music. And that was very nice. And for me, it was even astonishing that so many old women came, that as old as I am now, women around 50, around 60, around 70, 80. Yeah, and younger came. We were young as well. We don't want to play for men, and we don't want that heterosexual women should come. Of course, they were very much invited. It's not only a lesbian thing, hearing music and dancing for music. But we wanted that they should say, well, my dear friend, you stayed home tonight,
or do something with your male friends, I go to a woman party. And that was, for some women, it was a very big step to say, I want to have a party only with women. That was... Après ça, Monica me montre un album photo en noir et blanc et la première arrive comme par magie. C'est un portrait de Jill Johnston au festival FEMO à Copenhague en 1974 où les Flying Lesbians ont joué à l'époque. En fait, Jill Johnston fait partie de ces fantômes avec lesquels je m'imagine parfois en pleine conversation. Monica ne le sait pas, mais Jill Johnston, avant d'être une militante féministe et lesbienne, était une critique de danse à New York dans les années 60. Et elle a fait un travail considérable pour soutenir le mouvement des avant-gardes artistiques, et notamment les artistes chorégraphiques comme Yvonne Rainer, Deborah Hay et Steve Paxton. Elle a aussi dansé dans un film d'Andy Warhol. Elle a écrit principalement dans une revue qui s'appelait The Village Voice, et elle a compilé certains de ses articles dans un livre qui s'appelle « Marmalade Me » en 71. On y lit au fil de ses chroniques un ton libre et une soif d'échapper aux catégories normatives. Elle a un parcours atypique puisqu'elle cesse son activité de critique au moment où elle rejoint les mouvements activistes féministes. Elle organise pour l'occasion une table ronde en 69 à New York intitulée symboliquement « La désintégration d'une critique ».
Son abandon de son métier, en anglais on dit son drop-out, s'accompagne et se transforme en coming out. Elle publiera en 1973 un livre assez culte dans la communauté lesbienne qui s'appelle Lesbian Nation et poursuivra une activité littéraire et militante. Son parcours est associé dans mon imaginaire à d'autres figures de critiques féminines qui effectuèrent elles aussi un retrait du métier de critique, du moins un déplacement radical. À la fin des années 60 en Italie, la critique Carla Lanzi décide de quitter le milieu de l'art elle aussi. Elle publie en 69 Autolitrato, traduit par autoportrait, qui s'avère être un montage fabriqué à partir d'entretiens avec des artistes et dans lequel sa propre voix démonte progressivement la figure du de la critique. Un autoportrait en forme d'autocritique sur sa pratique. Elle aussi rejoindra un féminisme militant et sera fondatrice du collectif Rivolta Femminile. Et ça, c'est un des livres qui a été traduit l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui revient sur cette lutte. Je me demande si Carla Lanzi écoutait elle aussi la musique des Flying Lesbians. Je pense aussi à ma directrice de thèse, Isabelle Ginot, qui a écrit des articles sur le chorégraphe Mark Tompkins et dans lesquels elle interroge sa posture de critique, de femme et de spectatrice. Comment tous nos corps, nos mots, nos sentirs et nos gestes sont envahis par les corps des autres, leurs mots, leurs sentirs et leurs gestes, écrit-elle. Et je pense enfin à Laurence Loupe, figure associée à bon nombre d'artistes chorégraphiques par l'influence qu'elle aura eue auprès d'eux, qui se prêtera au jeu du travestissement dans la pièce d'Alain Buffard, Dispositif 3.1, où elle jouera de sa posture de théoricienne d'art qui se moque d'elle-même. Une des œuvres dont nous sommes, à juste titre, je pense, le plus fière, c'est ce carton, ce parallélépipède, je veux dire, que vous voyez en face de vous. Et qui, enfin du moins en face de moi, et qui n'est pas du tout comme un vain peuple pourrait croire. Une œuvre minimaliste, pas du tout, malgré tout ce qui pourrait en désigner la spécificité et la caractéristique. Par exemple, l'usage d'un matériau trivial, l'usage également d'une échelle qui fait que à la fois ça se rapproche de l'échelle humaine et puis en même temps ça sort des parties, beaucoup d'autres objets de ce même calibre figurent dans les arcanes et dans les collections et dans les catalogues et dans les inventaires minimalistes bien sûr. Mais ce n'est pas du tout là le cas. En effet, il s'agit d'une œuvre assez récente d'un jeune artiste américain qui par là a voulu justement transgresser les codes minimalistes. Car si vous le voyez, comme j'ai découvert, il ne présente pas du tout la clôture matérielle du spécifique objet. Il a même des rabats. À l'intérieur, vous avez de l'obscur. Il est évident que cette pièce symbolise à la fois une critique de la scénographie occidentale fondée sur l'esthétique de la boîte noire, avec toujours la perspective et la ligne de fuite qui organise et réorganise l'espace où doivent se produire les corps et qui formate cet espace. C'est pourquoi moi-même, maintenant, je vais joindre à ce commentaire un acte performatif qui va remettre en perspective la nature et le statut de cette œuvre. Ce n'est pas sans répugnance que j'entre dans cet espace marqué par les rapports de pouvoir sur le corps dans l'histoire de l'Occident. Oh! 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 Dedans, c'est très grand. Personne
peut croire. Personne ne peut croire, évidemment, que c'est très grand dedans. Mais c'est très, très grand. C'est très grand et c'est tout blanc. Well, this is the white cube! Finally, I went back to the white cube. The black box turned into a white cube. La boîte noire est devenue le cube blanc. Ça c'est vraiment un retournement de l'histoire de l'art. C'est un retournement de l'histoire de l'art que je suis en train de vivre. Et je suis tellement heureuse, car le cube blanc, ça a toujours été mon idéal. Parce que mon idéal, c'était toujours d'être un sujet neutre dans un espace neutre qui fait des gestes neutres. I feel so quiet. Je me sens tellement libre dans le cube blanc. Je me sens libre. Well, I feel so free. Je suis libérée de tous les déterminismes. Le contexte historique ne peut pas me toucher. Je suis dans un espace totalement libéré de tout ce qui est la société, les conflits. Que se passe-t-il? Le cube blanc me rejette. Why are you rejecting me? Why you? Il dit que en l'état où je suis, je ne peux pas prétendre au statut de sujet neutre. Well, this is very rude of you. This is very rude of you. I always share your values. Il dit que j'ai toujours partagé ses valeurs et qu'il est vraiment très incorrect avec moi. Mais il me dit que si je ne suis pas contente, je peux toujours me recycler dans l'esthétique relationnelle. Oh! How could you tell me such a thing? How could you make such a statement? What cute! How unpleasant! What an unpleasant situation! Well, bon, si c'est vraiment là le sens de l'histoire. Ma caméra n'a plus de batterie, j'ai déjà filmé 3 heures, un signe peut-être. La conversation se poursuit, nous allons sur des terrains plus personnels. Monica me demande ce que je vais faire de tout ça, je lui dis que je ne sais pas, que je suis venue pour mon enquête et que Buffard m'y a conduite d'une certaine manière. La voix grave et chaude de Monica m'emporte vers d'autres horizons, me transporte vers d'autres désirs, plus personnels peut-être. J'éprouve concrètement l'œuvre de Buffard comme un bord duquel partir. Je sens que je m'en éloigne et bizarrement, je ne me suis jamais sentie aussi proche d'elle, de lui. Nager vers le large, rejoindre un récif, abandonner l'œuvre, en retrouver d'autres, en inventer de nouvelles. Je m'émancipe loin des miens dans une autre langue. En partant, je lui fais signe de la main pendant quelques secondes. Elle fait de même dans sa voiture et s'en va. Séquence émotion.
J'ai croisé dans la rue un homme en tenue bavaroise et ça m'a fait penser à la gamine Heidi et ses tenues traditionnelles. J'adore moi aussi porter la perruque à l'envers, ne plus rien voir ou presque. Dans la pièce, Laurence Loupe, les yeux bandés sur les genoux de Claudia Triozzi, répète des phrases en allemand que lui dicte Anne Laurent. Elle parle d'Heidi. Heidi est jeune, Heidi est saine, Heidi est émotive. Elle aime les plantes et les animaux. Les fleurs lui tirent les larmes, la montagne lui sourit et les chèvres lui disent bonjour. Le vent caresse sa chevelure blonde, le ruissellement de la rivière la soulage. Elle retrouve toujours le chemin de sa maison. Heidi aime les perruques. Je me demande, où est Heidi aujourd'hui? Que fait-elle? À quoi pense-t-elle? Heidi, reviens à Paris, je m'ennuie. Reviens dans ma vie, c'est gris. Heidi, on pourrait faire du bateau sur la Seine et du pédalo à Vincennes. Je t'emmènerai à la Villette, on chantera à tue-tête, on mangera des crackers bio, je te ferai des œufs mayo, je t'offrirai mon Opinel, même si j'ai plus d'APL. Avec moi, tu seras bien. Heidi, reviens à Paris, je te découperai des pastèques, tu prendras des bains avec, je te lirai mes poèmes, rajouterai des happy ends, je prendrai soin de tes cheveux avec de l'huile de coco. Coco, 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 coco. Tu goûteras mon kombucha, on écrira des mantras, je dessinerai ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Heidi, reviens à Paris, je m'ennuie. Tu es mon flanc de montagne, ma lisière des bois, mon soleil doré, mon arbre à thé, mon paradis en soie, mon lac d'eau douce, ma cabane en mousse. Foucault et Butler, j'apprendrai par cœur, et si j'ai des trous de mémoire, je réécrirai l'histoire. Je sais que je suis pas une cliché, mais je suis en train de changer, je serai la plus queer des plus queer de tes copines. On mettra le feu à tout ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Heidi, reviens à Paris, l'air est partout, partout en nous pour voler, 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 voler. Les nuages dans ta bouche, c'est doux et sucré, les nuages dans ta bouche, c'est chaud et poivré, les nuages dans nos bouches, c'est un orage d'été. Caresse en silence, encore une petite danse. Souvent couchée, je suis jamais fatiguée. Je te souris, Heidi, le sommeil agité. Fantôme, tu me parles, ta langue est inégale. Beauté fatale, tu déconstruis la normale. Heidi, reviens à Paris. T'es ma sœur, mon âme, sœur, mon cœur, ton cœur, ma foi dans ton foie. Je prends tout de toi. Je prends tout de toi. Ton cerveau, ton dos, tes vaisseaux, ta peau, et ton, et ta, et tes... Sylvie m'attend à la gare. Il y a un malentendu parce que je pensais que c'était sa compagne Christina qui venait me chercher. Puis au bout de 2 minutes, je me rends compte que c'est Sylvie. Je suis très gênée de ne pas l'avoir reconnue, mais elle ne se vexe pas. Je monte dans sa voiture, puis nous arrivons chez elle, une maison qui donne sur un vaste champ. Sylvie me fait visiter le grand jardin, puis nous rejoignons Christina qui s'occupe des chèvres. Une d'elles vient d'accoucher de 2 petits. Ils ont 4 jours et sont en pleine forme. Très sociables, ils sautent à nos pieds et nous les caressons comme des chiens. Nous bavardons longuement. Le discours de Sylvie est différent de celui de Monica, plus universitaire peut-être. Quand elle a fondé le groupe, elle commençait un doctorat. Sa bourse de thèse fut une aide précieuse au financement des activités des Flying Lesbians.
Christina nous rejoint et accepte d'être filmée à son tour. Avant cela, elle me fait une démonstration de son drone dans le jardin. La scène est assez surréaliste puisque le drone dirigé par cette femme, sexagénaire, réalisatrice, fermière et fromagère, les chèvres au loin qui agitent leurs cloches et moi qui filme. Après un atterrissage réussi, nous goûtons les fromages. Christina est modeste. J'apprends que les Flying Lesbians, c'était son idée. C'est elle qui a suggéré à Silly de former un groupe de rock composé de femmes. C'est elle aussi qui a diffusé une annonce à la radio pour trouver des musiciennes. Quelques jours plus tard, le groupe était formé. Les répétitions avaient lieu dans une maison à Kreuzberg, un quartier de Berlin, jusqu'au premier concert en 1974. Silly me montre une photo d'elle en noir et blanc, dans une baignoire, les cheveux et le buste mouillés. Elle doit avoir une vingtaine d'années, elle est très belle. Elle me dit, c'est là qu'on écrivait les chansons. Alain Buffard était parti filmer Anna Halprin en Californie, entre quête identitaire et quête artistique, c'est ce que je me raconte. Pour moi, l'Allemagne devient la Californie. Les Flying Lesbians m'apprennent, elles aussi, à comprendre un peu mieux ce que je fais, ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire. Elles deviennent mes complices, mes camarades de jeu, mes sœurs. Monica et Silly, chacune avec leurs mots, me renseignent sur le militantisme lesbien des années 70 en Allemagne de l'Ouest. Elles me dévoilent les contradictions des actions collectives. Elles me partagent un peu de ce qu'elles étaient à 20 ans. Elles me font goûter des pâtisseries ou du fromage de chèvre et on discute convergence des luttes en 2017. J'imagine parfois qu'à travers leurs récits, c'est Heidi qui me parle. Dans ces campagnes allemandes, mon travail prend des voix inattendues. J'entends des voix. Jamais.